préparer, hein. Je mettrai pas le son. Thank you.
peu mon bureau, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose de confidentiel, donc ça va aller. Coucou, salut à vous, me voilà de retour. Alors je sais, vous ne m'attendiez plus, ça c'est sûr et certain. Vous ne pensiez plus que ça allait arriver, mais oui, j'ai bien refait un vlog plante. Je sais pas si je vais oser l'appeler café plante parce que on parlera de ma consommation de café dans un autre vlog si vous voulez aller par là. Et puis en plus, c'était pas du tout un vlog comme avant, parler, etc. Comment dire ? Disons que là, c'est ce que je suis en mesure de faire de mieux. Voilà. Filmer ce que je fais, juste mettre une petite musique par-dessus, un peu de texte, éventuellement de la voix off, mais là, hier soir, j'avais vraiment pas envie de m'embêter. Et voilà, c'est ce que je peux faire de mieux pour partager un petit peu mes aventures plantesques. Alors, ça a bien changé, d'ailleurs, rien que là, si vous voyez derrière, il n'y a plus l'étagère à plantes, il n'y a plus la jungle. On en parlera sûrement dans un prochain vlog. Mais je commence à pas de velours, à retourner vers les plantes. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait une petite bouture d'arbre de jade. Je l'avais complètement laissé tomber, le mien, je l'avais complètement perdu, tout simplement parce que j'avais trop de cochenilles et ça restait sans arrêt. Quand c'était pas sur une plante, c'était sur l'autre. Et puis voilà. Et donc là, n'ayant quasiment plus aucune plante, on en parlera, promis juré, n'ayant quasiment plus aucune plante, je n'ai plus de problème d'indésirable, donc je peux retourner tranquillement vers les plantes qui me manquent. Et donc l'arbre des jades, de jade, l'arbre des jades, l'arbre de jade, la Crassula ovata, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça c'en est une que j'aimais beaucoup. C'est une plante succulente, hein, une plante grasse. Alors là, elle bouge encore, c'est normal, elle ne s'est pas enracinée, donc je n'arrose pas pour l'instant, hein, on ne va pas les faire pourrir la base. Mais voilà, j'ai planté la tige et j'espère qu'il va se passer des choses. J'ai mis aussi des petites feuilles sur du terreau, comme vous avez pu le voir, et j'espère que ça va fonctionner. Mais le gros événement du jour... Je suis en train de me dire que c'est hyper décousu, c'est pas du tout comme ça que je faisais avant, ça me fait drôle, mais il va falloir qu'on s'y habitue. C'est décousu, c'est peut-être pas très ordonné, mais à l'avenir ce sera comme ça, 100% naturel. Alors, enfin, non pas que c'était artificiel avant, mais disons que je préparais plus mes contenus, et là je me dis, oui mais t'aurais pas dû dire dans cet ordre, t'es pas allé complètement au fond de ce que tu aurais pu dire, enfin bref. Mais là, on est juste cool, cool, tranquille, et je pense qu'il ne pourra pas en être autrement avant un bon petit moment. Alors, la Glaonema pictum tricolore, donc il y a maman qui reste là-bas, son emplacement habituel, et la petite, parce qu'en fait, elle était clairement... il y avait trop de pousses dans le pot, et je ne voulais pas agrandir le pot. Là, j'ai pas trop d'options dans cette maison pour l'instant. Pour mettre pas mal de plantes, c'est dingue, j'ai plus de souffle pour parler. Je n'ai plus de souffle pour parler. Par contre, pour faire du sport, ça va, il n'y a pas de souci. Mais je vous raconterai même, j'ai fait un truc de dingue ce week-end et je vous raconterai ça dans un vlog lifestyle. Je me suis dépassée. Mais en revanche, je m'aperçois qu'avant, j'avais un excellent débit de parole en vidéo et tout. Et là, j'ai l'impression de suffoquer. Comme quoi, hein, quand on n'a plus l'habitude... Donc je parlais de la Glaonema, trop de pousses, je ne voulais pas agrandir le pot, j'ai pas assez de place et voilà, donc j'ai envie que ça reste comme ça pour l'instant. Donc j'ai fait une division, j'ai mis une grande tige avec une petite tige de cette année, elle a commencé à pousser en automne et là elle est développée avec deux feuilles et celle-ci, ben je vais la mettre en vente sur le bon coin, voilà. Je vais essayer de la mettre en vente du coup en même temps que je vais poster cette vidéo. Ça permettra à ceux d'entre vous qui sont potentiellement intéressés, eh bien écoutez, de regarder si l'annonce vous intéresse ou quoi, éventuellement de l'acheter. Ça c'est pour ceux qui ont envie, parce que je sais que ça fait des années qu'il y en a qui ont envie de cette plante. Et sinon, de toute façon, je trouverai bien un acquéreur. Voilà. Du coup, elle s'en est plutôt bien remise de son bouturage. Et je crois qu'on va avoir fini pour ce vlog, comme je disais avec Marie-Ange, avec qui on est toujours copine, comme je disais avec Marie-Ange, enfin comme elle me disait, surtout, faut pas que je m'embête à faire des vidéos trop longues et tout, donc on y va tranquillou, on regarde pas la durée, on cherche pas, voilà, et puis ça ira bien. J'ai filmé dans le jardin, parce que la semaine dernière, on a eu 2-3 journées, mais idylliques,
en termes de météo. Et en fin de journée, on faisait une soirée trampoline avec les garçons, c'est-à-dire qu'en rentrant de l'école, c'est trampoline dans le jardin, et pendant ce temps-là, maman jardine. Et ça, c'était un plaisir complet. J'ai fait pas mal de petites choses et bon, on verra ça dans un prochain vlog. Et puis, je pense que je vais aussi faire du vlog lifestyle. J'en profite pour répondre à une question dont je me souviens qui était apparue sous un de mes précédents vlogs, mes deux vlogs lifestyle. C'est, est-ce que je vais changer le nom de ma chaîne? La réponse, c'est non. Je ne vais pas changer le nom de la chaîne, même si je ne fais pas que de la plante à l'avenir. Si je fais d'autres choses, peut-être que je ferai plus trop de plantes, peut-être, enfin je ne sais pas. En tout cas, le nom de ma chaîne, c'est pas seulement parce que je fais de la plante, c'est parce que ben, un jour j'étais sur mon balcon avec des fleurs, mon mari m'avait dit, oh, tiens, une fleur parmi les fleurs. Et c'est pour ça en fait, donc c'est, ça va au-delà de dire c'est parce que c'est une chaîne plante, voilà, donc c'est... une fleur parmi les fleurs. Je poste tout ici parce que j'ai vraiment pas le temps d'ouvrir une autre chaîne, tout ça, de gérer deux trucs en même temps, deux médias en même temps, bah oubliez ça. Là, on est là vraiment pour le plaisir, pour se faire du bien, pour se donner des nouvelles. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. Je vais les lire régulièrement. J'en like certains, je les lis tous en tout cas, et sachez que ça me fait grand plaisir de savoir que vous êtes toujours là, que vous pensez à moi, ou que des personnes tombent, des nouvelles personnes tombent sur mes vidéos, malgré le fait que je ne poste quasiment plus. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas je lis tout, ça me fait plaisir. Oui, je repense du coup à propos de ça à un autre commentaire qui était venu sous une de mes vidéos. C'était que je vous disais que j'avais fait un virage professionnel, mais je vous disais pas quoi. C'est pas pour vous embêter, c'est juste pour protéger ma vie privée, tout simplement. Peut-être qu'un jour je vous dirai ce que je fais maintenant, peut-être que non. Sachez que ça n'a pas d'importance par rapport aux vidéos que je fais. Donc voilà, si je vous en parle pas, c'est que c'est pas... Je suis pas en train de monter une pépinière, par exemple. Je suis pas en train de... Je suis pas devenue paysagiste ou quoi, voilà. Donc, mais je fais autre chose qui me prend beaucoup de temps professionnellement, mais d'où l'absence de vidéos. De toute façon, je vous avais dit que si je pouvais plus vivre de ma chaîne, par exemple, ou si j'arrêtais de vivre de ma chaîne, il y aurait beaucoup moins de vidéos parce qu'on peut pas tout gérer en même temps. Et je me consacre énormément à mes enfants. D'où l'idée de faire des vlogs lifestyle pour être toujours là un peu pour vous, voilà. Bon, je suis super contente de vous avoir retrouvé, enfin, j'espère qu'il y aura du monde qui regardera cette vidéo, sinon je suis toute seule face à ma caméra. En tout cas, très très contente, ça me rappelle un petit peu les débuts de la chaîne, quand on filme comme ça, tranquillement, sans essayer de faire plaisir à plein de gens. Je vous dis à bientôt, à super bientôt, parce qu'il y a un vlog jardin en cours, va y avoir, je pense, un vlog lifestyle, et puis... à bientôt. Très très contente de vous retrouver en ce printemps 2024.